La dernière fois que j'ai parlé ici à la Basilique Notre-Dame de Montréal, c'était il y a 24 ans, aux funérailles de mon père. Alors tout naturellement, aujourd'hui, mes pensées vont aux enfants de Brian, Ben, Mark, Nicolas et Caroline, qui vient de livrer un éloge extraordinairement touchant. Pour tout le monde, Brian Mulroney, c'était Monsieur le Premier ministre. Mais pour vous, c'était Papa. Et bien sûr, pour Mila, c'était un époux, un confident et un partenaire inébranlable. Brian once quipped that Brian at l'Université Laval, there was no Laval, class il n'y avait pas de cours pour le préparer à son rôle de premier ministre. Mais après avoir quitté la politique, s'il y avait eu un cours pour ça, il aurait été la personne idéale pour l'enseigner. L'une de ses premières leçons a été que gagner est important et c'est bon d'en profiter, mais gagner juste pour gagner ne peut être la seule fin. En tout premier lieu, Brian était motivé par le service public. Il était motivé par le leadership et réaliser les choses comme il faut. Les grandes choses comme le libre-échange, augmenter le niveau de vie des Canadiens et pour des millions de gens. D'abord, dans l'accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis et l'ALENA, ensuite. S'opposer à l'apartheid en Afrique du Sud, il a persuadé ses interlocuteurs dans le Commonwealth pour aider à libérer Nelson Mandela. Brian a aussi accompli de grandes choses pour l'environnement, entre autres pour lutter contre les pluies acides et pour réparer le trou dans la couche d'ozone. Repairing the ozone layer. Réparer la couche d'ozone. Ça a montré que pour Brian, le ciel n'était pas la limite. Il nous a menés avec l'ambition nécessaire pour réparer le ciel. Oui, il voyait grand. Mais le petit gars de Bécomo savait garder les deux pieds fermement sur terre. Que ce fût en faisant des longs shifts comme ouvrier ou camionneur pour payer ses études, ou en négociant un accord de libre-échange avec le pays le plus puissant du monde, il travaillait toujours aussi fort. Bien sûr, entre toutes les choses, les grandes choses qu'il a accomplies, aucune ne lui a apporté plus de fierté et de joie que la famille qu'il a construite avec Mila, enracinée dans les valeurs de travail, de résilience. La résilience étant particulièrement importante, puisque, comme ses adversaires le savaient bien, Brian n'avait jamais peur de se battre, même s'il savait qu'il y aurait des critiques et des attaques qui font mal. Sa famille a été témoin de près. Mais comme il le disait lui-même, les leaders doivent avoir une vision et ils doivent trouver le courage de défendre les politiques qu'ils vont donner corps à ces politiques. Les leaders doivent gouverner pas pour des manchettes éphémères, mais pour le Canada dans la décennie. Et même quand c'était difficile, Brian restait toujours généreux, charmant et très amusant. Il a partagé une fois une anecdote, la fois où il a réconforté Ronald Reagan lorsque son taux de satisfaction déclinait, en lui disant, « Je ne sais pas comment vous le dire, mais Margaret Thatcher et moi, on n'a pas à nous deux, votre taux de satisfaction de 59%. Nous savons tous à quel point Brian aimait gagner. Les victoires les plus chères étaient non partisanes. C'était les moments où le Canada gagnait lui-même parce qu'il aimait son pays de tout son cœur. Il n'aimait pas seulement le Canada de manière abstraite,
Il aimait les Canadiens. Il aimait entendre leurs histoires. Il aimait se rapprocher des gens. Et il était incroyablement généreux avec tout le monde. Quand cette semaine dernière, nous rappelions des souvenirs. Je n'avais aucune idée, mais je n'étais pas surpris parce que son authenticité dans ses conversations avec moi et ses conseils qu'il me donnait, c'est quelque chose qui était très important pour moi. Brian me conseillait souvent pendant qu'on renégociait l'ALENA dans des moments très incertains. Au milieu d'une semaine particulièrement houleuse, il m'a encouragé à garder le cap. Je l'entends encore me dire au téléphone, « Justin, souviens-toi de ce que ton père disait, que c'est en fin de soirée qu'on voit, reconnaît les meilleurs danseurs. » C'était une leçon de discipline, de détermination et de persévérance. Aujourd'hui, c'est la fin de la soirée d'un géant. Mais on va toujours se souvenir que, grand danseur et chorégraphe, il a tracé la voie pour les générations à venir. C'est la fin de la soirée d'un géant, mais la musique continue. Et en sa mémoire, c'est à nous tous, chacun à notre manière, de poursuivre le travail vers un Canada toujours plus ambitieux, toujours meilleur. Merci.